Tu vas bien? Qui a-t-il? Jésus, Jésus. Que se passe-t-il? Allez chercher le lait. Jésus, réveille-toi. Allez chercher le docteur. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui lui arrive, mon Dieu? Je suis prête. On peut y aller. Je ne me sens pas bien. Maux de tête. Oui, maux de tête. Maux de tête? Maux de tête. Oui. Et ça a commencé quand? À peine. Je crois que je dois me reposer. Oh, pourquoi maintenant? Je crois que tu dois prendre le médicament. Je vais juste de le faire. T'inquiète, chérie, je vais bien me sentir. Si c'est comme ça, je dois rester un peu. Ça ne sera pas nécessaire. Je vais aller bien. Es-tu sûre? Ok. Je te laisse alors. Ne te dérange pas, tout ira bien. Si tu te sens bien, tu peux aller travailler, ok? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Flora! Flora! Oui, tantine? Rassure-toi de rentrer tôt, ok? Ok. Et tu dois préparer. D'accord. Chérie, je dois aller. S'il te plaît, promets-moi d'être fort, ok? Oui, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je te laisse. Ok. Bye, mon bébé. Au revoir. Bye. Du toqué. Désolé, d'ailleurs, je suis chez moi. J'ai le droit d'entrer où je veux. Je suis presque nu, monsieur. Presque nu, hein? Et si tu es nu, ça fait quoi? Comment ça suis-je venu te demander à propos de médicaments que j'avais laissé sur la table? Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. Es-tu sûr de ne pas avoir besoin de mon aide? Merci, monsieur. Je vais m'habiller. J'ai dit que je vais m'habiller. Je crois que tu ne te comportes plus bien. Hein? Je parlerai à ta tante à son retour. Hein? Parler à ma tante? Non, monsieur, je vous en prie, je suis désolée, non. Oh mon Dieu, mais quel genre de problème que j'ai attiré sur moi-même. Ah, c'est la dernière des choses que je souhaite, mon Dieu. Ah. Tu dois faire quelque chose, s'il te plaît, ma chérie. Ne laisse pas le temps couler comme ça. Officialise les choses. Ah ah. Bien sûr qu'on va officialiser les choses. Collis m'aime beaucoup et je pense que moi aussi je l'aime. Il avait décidé de m'épouser. Il doit le faire, oh. Regarde toutes ces filles qui passent devant ses yeux. Tu sais bien que ton homme est beau. Je le sais, ma chère. Avec l'expérience et la décision, je le ferai, mon homme. C'est ma copine. Oui, ma chérie. Je serai très contente de le faire, ma copine. Je suis là pour te soutenir. Sérieux? Oui. Tu sais quoi? Tu dois déjà commencer à me soutenir. Pas de problème. Je vais contacter les gens pour t'aider. N'aie pas peur. Moins 3 est égal à 0 et 5 plus 13 est égal à 0. Pour trouver l'équation x moins 3, entre parenthèses, x plus 5 entre parenthèses est égal à 0. X fois x est égal à x au carré. S'il y avait x au carré ici, ça serait x fois x égale à x cube. En ajoutant 3, 2x au carré, x fois 5, plus 5x, moins 3,
fois 10 moins 3x moins 3 fois x moins 5 est égal à 0. Alors que x au carré, maintenant le problème est ici. Plus 5x moins 3 au carré. Tu as 5 néra et tu enlèves 3 néra. Si tu retranches 3 néra de 5 néra, il te restera 2 néra. Donc, plus 2x moins 15 est égal à 0. J'ai réglé l'équation. C'est simple. Waouh. Serafina. Oui. Vraiment, sera toute contente. Si tu nous enseignes comment régler les arithmétiques. Oui. Serafina, je me demande toujours comment tu arrives à régler ce genre de problème. Surtout les arithmétiques. C'est ça. Mon secret est de lire beaucoup, surtout à la maison. Je ne me repose pas tant que je n'ai pas tout compris. Moi aussi, je lis beaucoup à la maison. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon cerveau. Regarde, Joyce, le seul problème est ton manque de concentration. Tu te forces à lire, mais ta pensée n'y est pas. Essaye vraiment de faire un grand effort. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours prêté attention à tout ce que je lis. Je l'ai toujours fait. Sauf que je ne comprends pas ce qui ne va pas avec moi. Donne, je vais lire aussi. Donne, donne. Attends, mais attends. Donne. Attends, c'est par ici. Tu veux vraiment dire qu'il n'y a rien entre le professeur d'anglais et Joyce? Contrôle ta bouche au lumière des oreilles. Et alors, je n'ai peur de personne. Alors, tu lui dis quoi? Je ne disais rien. Je veux juste qu'on change le sujet. Bon après-midi, comment allez-vous? Bien, monsieur. Mettez-vous. Merci. Le sujet d'aujourd'hui se basera sur la rédaction. Mais avant que nous ne commencions, je voudrais vous rappeler le résultat du test d'hier. Nombreuses d'entre vous, filles, ont fait preuve de leur idiotie et d'une folie vraiment caractérisée. Je me rappelle bien de vous avoir enseigné cette leçon il y a 2 semaines passées. Mais voilà. Par exemple, Joyce a prouvé qu'elle ne participait pas à mes leçons. Joyce Ikenne. Oui, monsieur. Cherche-moi après les cours. Ok, monsieur. Bon, revenons à notre mouton. S'il vous plaît, je voudrais que vous soyez très attentive. Ok? Oui, monsieur. Parce qu'il ne vous reste que 2 semaines pour affronter votre test de niveau. M'avez-vous compris? Oui, monsieur. Amaka, viens, viens, viens. Je ne dis pas ce dont je ne suis pas sûre. Je ne vois rien du tout. Relaxe-toi, relaxe-toi, tu verras toi-même. Je ne vois toujours rien. Sois calme. Pardon. S'il te plaît, moi je rentre là-bas, j'ai des choses à faire. Je ne peux pas perdre mon temps ici. Amaka! Amaka, reviens ma copine, tu sais que tu es mon amie, viens! Monsieur, je n'apprécie pas cet endroit. Et ces derniers temps, mon nom est à la page. Essaies-tu de me comprendre? Ou sais-tu ce qui se passe? Si je dois te dire la vérité, tu es la mauvaise de cette école. Et tu es ici, en train de me dire n'importe quoi. Au contraire, ce que tu dois faire, et de chercher comment réussir à tes examens. M'as-tu compris? Mais monsieur, vous êtes la raison de mon échec. Comment? Suis-je la raison de ton échec? Vous avez toujours les yeux sur moi. Ce qui n'est pas le cas pour les autres élèves. Ça me donne beaucoup de raisons pour échouer dans votre cours. Tu aurais dû me les dire avant.
Regarde. Penses-tu que tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que je t'ai? Non, c'est parce que je t'aime. Compris? Peu importe ce qui arrivera, je ferai tout pour te soutenir. Ok? Joyce, ton chauffeur ne viendra pas? Je ne sais pas s'il viendra. Hey, ça me rappelle. Joyce. Quoi? Vous parlez de quoi avec Mr. Bright aujourd'hui? Merci de te rappeler de ça, Moni. Mais qu'a-t-il dit? Parce que je me sens très inconfortable chaque fois que Monsieur Bright demande à une élève de le voir en privé. Sérieux. Donc nous pensons vraiment de la même façon. J'ai peur de cet homme, oh. Écoutez, hein, si je savais, je n'allais pas vraiment partir. Et qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant? Cet homme ne fait que m'embêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne pouvez pas imaginer ce que cet homme me dit tout le jour quand il m'appelle. Il ne fait que m'insulter, il ne dit rien d'intéressant. En ce qui me concerne, il est comme mon ennemi. Hey! Je ne peux plus supporter ces injures tous les jours. Ne parle pas comme ça. N'oublie pas que le cours qu'il donne est un cours de base. Alors? C'est un cours de langue. Alors? Alors, parce que le cours de la langue est très important. Pardon, je n'ai pas le temps pour les choses pareilles, s'il te plaît. Josh, tu ne peux pas prendre une telle décision juste comme ça, non? Tu ne peux pas. Je ne parle pas français. Ou je ne parle pas correctement le français. Je parle aussi. Moi aussi, je parle. Tu ne peux pas les conseiller. Jésus. Hey, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouchi, hey. Je t'avais averti. Ces deux messieurs-là nous poursuivent. Ils viennent peut-être parce qu'on les avait insultés hier. Je t'avais averti de ne pas les insulter, non? M'avertir à propos de quoi? Tu veux me dire que tu ne sais pas qu'ils viennent te chercher? Me chercher? Oui. Pour quelle raison? Qu'ils partent chercher d'autres filles. Allons-y, ma chère, on y va. Laissez-les, laissez-les. Que je les laisse? Laissez-les, demain c'est notre jour. Ah. Pas de problème. Ok, demain. Demain. Ok, changez le chemin. Je les aurai demain. Je m'excuse. Chérie, je suis désolée. Oh, mon bébé. Comment vas-tu? Comment tu te sens maintenant? Je n'ai pas pu bien travailler. Je crois que je dois rentrer à la maison, m'y reposer un peu. Je vois que ta température n'est pas aussi bonne. C'est ça le problème. Je dois faire un tour à l'hôpital. Tu dois vraiment faire un tour à l'hôpital, ok? Bien sûr que oui. Excusez-moi. Tu peux venir me libérer, je n'ai pas que ça à faire. Tu peux pas abandonner mes cheveux pour faire autre chose. Eh oh, si tu es pressé, tu peux attendre là-bas. L'une de mes filles va s'occuper de toi, je parlais avec elle. Je parle avec mon mari. Je ne suis pas là pour tes filles, je suis là pour toi. Si tu es là pour moi, tu dois être patiente. Comme tu peux voir, je suis occupée avec mon mari. Donc je parle avec mon mari. Quoi? Je dois rentrer pour aller à l'hôpital. Ok, on se voit à la maison. Ok, fais tout et rentre avant aujourd'hui. Ça va. Je t'y laisse. Merci. Allons-y alors. Non, t'inquiète, vas-y. Ok, je suis là. On enlève ça. Alors tu veux qu'on le fasse comment? Hein? Que faites-vous là? S'il te plaît, petite madame, pardon. S'il te plaît, ne nous dévoile pas. Pardon. Petite madame, ne te fâche pas. Oh. On était juste en train de jouer. Ça fait 20 ou 40 minutes que nous sommes là. Ne nous accuse pas, s'il te plaît. Pourquoi me suppliez-vous? N'êtes-vous pas les gens qui jouaient? Alors pourquoi vous me suppliez?
Tchèy, petite madame, Makachoku, c'est vrai, on était en train de jouer. Oui. N'est-ce pas? Elle m'avait attrapé par la main et moi aussi, je voulais faire pareil. Le verbe attraper, hein, on s'attrapait. Pardon. Laisse-moi tranquille. Je suis énervée, c'est pourquoi je n'ai pas venu me chercher à l'école aujourd'hui. Hey, non. Regarde, petite madame, la voiture était tombée en panne. J'avais oublié, j'avais beaucoup à faire. C'est pour ça que j'avais oublié de dire à patron. Hein? Pardon, crois-moi. Écoute, Joyce, tu te rappelles de la chose que je t'ai promise? Hein? Comme ça, si tu n'en veux plus, tu me le dis. Est-ce que je dis que je vais vous accuser? Je le dis. Hey, mais tu agis comme si tu vas nous... Hein? Je ne le dirai à personne. Vas-tu faire ce que tu m'as promis? Si seulement tu la boucles. Tu sais que je ne suis pas commère. Mélissa, c'est quoi cette promesse? C'est quoi ton problème? N'est-ce pas à cause de ton truc qui ne sait pas rester calme qu'on est dans le pétrin? Hein? Petite madame, te fâche pas. Si tu n'es pas fâchée que tu ne vas pas nous accuser, demande-nous de nous lever alors. Ok, levez-vous. Hey! Je t'aime, oh, petite madame. Si je te vois m'approcher, tu verras. Et toi, que fais-tu là? C'est ici que tu travailles? Regarde, tu es chanceux. Sinon, si c'était madame elle-même, sais-tu que tu es belle et sexy? Viens ici. Désolée, mais laisse-moi tranquille. Pardon, je t'en supplie. Calme-toi, s'il te plaît. Faisons-le. Hein? Je t'ai dit, tu vas aimer. Je t'en prie, laisse-moi. Chut, viens. Tonton, je t'en prie, laisse-moi. Flora. Flora. Respire. Ça ira, hein? Respire. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? T'inquiète, ne t'en fais pas, ça va aller. Ne t'en fais pas. Ah, mon client. Et ça coûte combien? T'inquiète, c'est comme d'habitude, non? Oui, et aide-moi, je t'ai même tu me connais, non? Tu sais que tu es mon client. S'il te plaît. T'inquiète. Et à combien vends-tu ça? Juste un peu d'argent, mon petit patron. Ça. Oui, ça va. Donne-moi seulement ça, s'il te plaît, madame. Oui, c'est sûr. Ces prix sont moins chers. Oui, je vais vraiment te cuire. Ces derniers temps, tu es vraiment très cher, n'est-ce pas? Oui, mon client, ça, c'est ça coûte bon. Combien? 150. 150 seulement? Mmh. Donne-moi la différence. Merci. Monsieur, même ces oranges sont très bons. Vous allez vraiment aimer. Je c'est sais. Très je bon. Sais qu'elle a de bons prix. Vous allez vraiment beaucoup aimer. Stella, comment ça va? Très bien, hein? Très bien, ma chère. À nous revoir à la maison. Ne t'en fais pas. Donne-moi la différence. C'est ça, monsieur. Prenez. Merci. De rien. Non, c'est bon.
je suis là. Je suis de retour. Flora. Chérie. Flora. Elle est où cette fille? Les sons? Hein? Les sons? Seigneur! Chérie! Seigneur! Calice! Ah, ah! Il est où? Hein? Oh, ma chérie. Oui, papa. Comment vas-tu? Très bien, papa, merci. Ok, pour toi. Merci, papa. Où est ta mère? Elle est en haut. Ah. Oh, ma tu chérie. Es rentrée? Je t'attendais. Comment vas-tu? Je vais bien. Mmh. Oh, chérie, sois le bienvenu. Comment a été ta journée? Ça va. Tu parais très fatiguée. Je me sens pas bien. Ça ira. Allons-y. Oh, chérie, ferme la télé. D'accord, maman. Où allez-vous? Hein? Je vous demande. Dites-moi, d'où provenez-vous et où est-ce que vous allez? Papa, nous étions tous au marché. Et toi, la ferme! N'importe quoi. Stella, donc tu étais là-bas. Faire de n'importe quoi. Tu penses que je ne sais pas? Tu penses que tu peux me tromper? Hey! Dieu! Dieu, tu es mon témoin. Tais-toi! Connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Hey! Tu penses que je ne sais pas? Je suis au courant de tout ce que tu fais dehors. Je te connais très bien. Je te connais très bien, Stella. Fais gaffe. Les petits ne t'avaient pas dit que je t'appelais? Réponds-moi, Stella. Ces petits ne t'avaient pas dit que je t'appelais? Il m'avait dit. Et pourquoi reviens-tu maintenant? Tu exagères. Il y avait beaucoup de clients là au marché. Je ne pouvais pas les abandonner juste pour toi. Beaucoup de clients. Beaucoup de clients, hein? Les clients à qui tu vendais ton corps? Beaucoup de clients. Stella? Stella? Arrête la prostitution. Arrête la prostitution. Ce n'est pas un bon chemin. Oya, va à l'intérieur. Va là-bas, je viendrai te rejoindre. Va à l'intérieur. Mais je te parle, non? Je viendrai te voir. Oya, vous tous à l'intérieur. Marché. Tu veux utiliser le marché pour me tromper. Stella, arrête la prostitution. Stella, ce n'est pas bien pour toi. Je te connais très bien. Stella, tikanzela wana ezama beko kufa. C'est un très très mauvais chemin, Stella. Tu pars vendre ton corps là-bas au marché. Et tu me parles des clients. Je viens là-bas, on va parler.
Elisabeth. Bonjour, monsieur. Amène-la dans sa chambre. Oui, monsieur. Petite madame, va dormir dans ta chambre. On y va dans ta chambre. Bon sommeil, papa. Bon sommeil. Chérie, quand est-ce que tu m'avais laissé au lit? Il y a de cela déjà 2 heures, tu dormais. Tu as beaucoup travaillé, chérie. Est-ce qu'on peut aller dormir, s'il te plaît? Tu ne veux pas que tu dois aussi te reposer? Je ne sais pas vraiment. Mais les problèmes que j'essaye de résoudre aussi peuvent causer du tort à mon travail. Donc, tu vois, je pourrais te rejoindre des moments à un autre, mais je dois d'abord terminer ça. C'est très capital pour moi. Chérie, je te comprends, mais j'ai très envie de toi, mon chéri. J'ai envie de toi. Chérie, ok, je sais, je sais très bien. Mais comprends-moi. Je suis sur le point de perdre 10 millions de Naira. Quelqu'un a piraté notre système. Ok? Je dois agir vite avant que le pire n'arrive. Je finirai par te rejoindre. Ok, mais je n'arrive pas, chérie. Chérie. Tu ne veux tout de même pas que je perde mon travail? Ok. À plus. Maintenant, chérie. Attends alors. Chérie, rejoins-moi au lit, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime okay. Aussi. Chérie, une fois fini, je viendrai te rejoindre. Je te laisse. Je dois me concentrer. Maman, s'il te plaît, reviens, j'ai à te dire. Mais qu'est-ce que t'as à me dire? Maman, j'ai à te dire. Jay, s'il te plaît, je ne peux pas maintenant. On va parler le soir, s'il te plaît. Ma chérie, je t'aime. Je t'aime aussi. Voyez. Quelqu'un qui s'appelle lui-même un homme. En train de dormir à cette heure de la journée, pendant que les autres vont chercher de quoi manger pour leur famille. Non, tu préfères rester là et te saouler à mort. Un homme incompétent. Maman, nous sommes retournés de l'école. Je peux bien le voir. Et je suis sûre que c'est parce que vous n'avez pas payé vos frais scolaires, on vous a chassé, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons commencé les examens aujourd'hui. Bateau! Hein? Bateau! Hein?
Des enfants sont chassés de l'école parce qu'ils n'ont pas payé leurs frais scolaires. Et notre directeur a dit qu'on ne puisse plus partir à l'école jusqu'à ce que nous allons payer nos frais scolaires. Bon retour. Bart! Ah bon? Reviens-toi, je te parle, reviens-toi! Stella, si tu oses encore me déranger, je te montrerai ma vraie couleur, oh! Que vas-tu faire? Hein? Que vas-tu faire, Barthélemy? Que vas-tu faire? Ah! Hein? Tu me demandes, Stella? Tes enfants sont là! Parlez-leur! Ah! Ai-je envoyé quelqu'un à l'école? Je n'ai envoyé personne à l'école, non? C'est toi qui les avais envoyés, donne-leur l'argent! Oui, ils sont tes enfants, non? Donc maintenant, ils sont mes enfants? Oui. Ils ne sont plus tes enfants? Ils sont aussi tes enfants, non, Stella? Papa, ce que tu nous fais n'est pas bon. La ferme. Si tu ne donnes pas, qui prendra leur soin de nous? Ta tête ne fonctionne pas. T'as un problème. Ne prends pas attention à cet homme paresseux. Hein? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Je blâme cette chose qui t'avait emmené vers moi pour que j'ai un homme méchant, paresseux, incompétent comme mari. Je ne te condamne pas. Ce n'est pas de ta faute. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Je ferai tout pour que vous retourniez à l'école, peu importe le moyen. Je veux juste un bon résultat. Je ferai tout pour que vous retourniez à l'école. Je ferai tout, mes enfants. Ne vous inquiétez pas. N'importe quoi. Stella. Ok, Stella. Si tu veux, donne-leur l'argent. Ils sont aussi tes enfants. Stella, je connais tous tes mouvements suspects. Je sais très bien ce que tu fais comme travail, Stella. Donne-leur l'argent. Arrête ça, un buveur stupide comme toi. Hein? Barthélemy, va dormir si tu n'as rien à foutre, vas-y! Va dormir! Je ne te blâme pas. Mes enfants, venez vite enlever vos uniformes! Je ferai tout pour que vous retourniez à l'école. C'est pas aujourd'hui, même demain, tant que je serai en vie. N'importe quoi! Regarde-toi! Tu dois avoir honte de toi-même! En même compétent! Regarde, regarde, regarde comment tu es! Il faut arrêter! Dieu va te punir! Reçois, reçois! Tu auras les sida! Papa, mon œil! Bonjour à toutes! Bonjour, madame! La leçon du jour est les fractions. On parlera des fractions. Et nous avons trois types de fractions. Combien de types de fractions y a-t-il? Trois types de fractions. Premièrement, nous avons les fractions propres. Deux, les fractions impropres. La troisième, nous avons quoi? Les fractions variables. Exemple 2, fraction propre est 3 sur 4, 5 sur 10 et 6 sur 9. Elles sont appelées des fractions propres parce que le chiffre inférieur est au-dessus de la ligne. Le chiffre inférieur est appelé le numérateur. Et le chiffre en dessous est appelé le dénominateur. Le dénominateur est le chiffre en dessous de la ligne. Exemple des fractions impropres est 4 sur 12, 3 sur 2, 5 sur 1. On les appelle des fractions impropres parce que le chiffre du haut est inférieur au chiffre du bas. Vous comprenez? Oui, madame. En prenant l'exemple d'un enfant de 2 ans qui porte une femme âgée de 20 ans, alors on dit que cela est impropre. Oui, madame. Hein? Vous comprenez? Oui, madame. Bien, le deuxième exemple que nous avons ici, les fractions variables. Un chiffre entier, 2 sur 4. Pourquoi ceci est une fraction variable? Parce que elle est composée d'un chiffre entier qui est 1, 2, 3, 4 ou 5 et aussi une fraction propre. Par exemple, 2 sur 4 qui est un nombre composé de 2 sur 4. Donc, je vais vous donner un exemple sur ça. Ensuite, je vous donne le travail de classe. Cette femme est mon professeur préféré dans toute cette école. C'est seulement elle qui est ta préférée dans toute cette école. Sa conduite et sa façon d'enseigner m'inspirent beaucoup. Regarde là. Qui? C'est pourquoi t'as baissé le ton?
Nous connaissons tous que sa mission dans cette école est loin d'étudier, mais plutôt se jeter dans le bras des professeurs. Ce n'est plus un secret. Mais pourquoi M. Bright aime toujours profiter avec les élèves juniors que d'autres élèves? Il ne profite que là où ça lui coûtera moins. Les élèves seniors sont plus expérimentés, contrairement aux élèves juniors que tu vois, comme cette poufiasse qui vient de passer. Je sais très bien que tu n'aimes pas Joyce. Je vais dire ça sur voix. Maintenant, je peux penser autrement. Autrement? Comment? Ne me dis pas que tu es jalouse d'elle. Jamais de la vie. Jalouse de cette fille qui ne vaut rien, sans ton nom et vide. Tu dois accuser ses élèves avant que cette nouvelle se répande dans cette école. Je dois le dire au professeur. Je suis avec mon homme Collis. Oh non, ne me dis pas ça. Tu peux le dire encore? Bien sûr que je l'aime beaucoup. S'il te plaît, on se parle après. Emeka, comment peux-tu me laisser porter ces histoires? Mais pourquoi tu dis ça? Emeka, je crois que tu es en train de me dénigrer. Hein? Hein? S'il te plaît, ne le fais plus. Je te comprends pas, mais pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi arrives-tu à faire ça? Hein? Après de m'avoir rendu ton domestique, et tu oses bien me demander de pouvoir payer pour les histoires qu'on a achetées, lorsque c'est toi qui es censé payer. Oh chérie, s'il te plaît, j'avais oublié, c'était une erreur. Désolée, hein? Je te pardonne. Je peux aller déposer ça à la cuisine et préparer quelque chose à manger, j'ai trop faim. Hein? Flora devait déjà rentrer, non? Flora, tu as perdu tes sens? Que dois-je faire maintenant? Va mettre ça à la cuisine et préparer quelque chose à manger. Fais vite, j'ai vraiment faim. Est-ce que vous êtes sûr que Flora va bien? Parce qu'aujourd'hui c'est le test, mais c'est pas présenté en classe. Oui, moi aussi j'ai beaucoup pensé à ça. Bonjour papa. Oui, papa. Je suis forte. Non, je parle avec mes amis Deyo. Oui. Mais oui, c'est pour notre éducation aussi. Non, je n'ai pas ça ici. Je vais aller vérifier. Ok, bye. Je t'aime aussi. La fille à papa, c'est celle que tu es. Ouais, c'est comme tu dis. Joyce, donc tu as acheté la boisson pour toi-même, n'est-ce pas? Ifoko, que veux-tu que j'achète pour toi? Et toi, as-tu déjà donné à quelqu'un dans ta vie? Tout ce que tu sais faire dans ta vie, c'est demander aux gens. Mendiante, cherches-tu quelqu'un chez qui mendier? Locoso. Désolée, c'était juste une blague. Quel genre de blague? C'est quoi ça? Joyce, c'est toi qui dis qu'elle est mendiante? Viens s'il te plaît, on y va. J'ai pas envie. Laisse-moi s'il te plaît. J'ai vraiment envie. Viens avec moi s'il te plaît. C'est pas grave. Ah. On y va, Serafina. Ne me pousse pas à m'énerver. Pardon. Tu as des oreilles pour entendre, non? Pardon, on y va. J'ai vraiment pas envie. Je ne veux pas surtout m'énerver. Tu as abandonné ce que tu as dit? Je ne peux plus faire des blagues avec mes amis parce que je suis pauvre. Ce n'est pas ce que je dis, oh. Excuse-toi juste. Ah. Et c'est quoi ça, Joy? Je suis désolée. Calme-toi. Ça va aller. Toi, tu parles. Laisse-moi, je veux pas de boulot, s'il te plaît, s'il te plaît. Parle, je t'écoute. Je te dis que je t'entends très bien. Oui. Tu m'avais pas compris. Je t'avais dit de m'acheter celle de Brésil, de l'Inde. Mais je préfère celle du Brésil. Tu as des celles de Chine. Pourquoi? Ne commence pas cette bêtise avec moi. Je n'aime pas celles de Chine. Ça ne va pas marcher. N'ose pas m'acheter de perruques de Chine. Ok? Trouve-moi la marque brésilienne. Mais c'est mon argent, man. Ne me fais pas ça. Chelly, s'il te plaît, pardon. Écoute-moi attentivement.
Je t'avais bien dit de m'acheter de perruques de Brésil, de l'Inde, mais pas la marque chinoise, ok? N'importe quoi. Ha! C'est mon argent que tu veux. Hey. Oh, hey. Ma chérie, tu travailles aussi avec les compagnies chinoises. Pourquoi tu me demandes ça? C'est ce que je t'ai demandé de faire. Désolé. Ce garçon veut jouer avec mon argent. C'est quoi ce genre de bêtises? De perruques de Chine? Dans mon salon? Non, ça ne sera pas possible. Que j'ajoute d'autre? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas faire ce que tu es supposé de faire? Tu as fini? Oui, je suis en train d'éplucher. C'est ça. Fais-moi manger. Désolé. Dis-moi, c'est quoi avec toi? Désolé. Tu veux saler mes habits, c'est ça? Essuie ça avec ton t-shirt. Vite, essuie ça. Fais-moi manger. Désolé. Désolé. Ça va. Fais-moi manger. Merci. Fais-moi manger. Ne salis plus mes habits. Je ne le ferai pas. Désolé. Mets ça dans ta bouche. C'est bon? Oui, c'est bon. Fais-moi manger. C'est vraiment bon. Oui, merci beaucoup. Fais-moi manger. Ma chérie, ne me dis pas que tu es dérangée à cause de ces rumeurs. C'est comme si l'école n'est pas importante pour toi. Ta beauté nécessite que tu étudies. Si tu ne le sais pas. Monsieur, ce n'est pas que je vais abandonner les études. Mais ça me met mal à l'aise ces rumeurs. Puis-je avoir le nom de ceux qui sont impliqués dans cette histoire? Pour que je mette tout au clair. Elles sont de cette école, monsieur. Ne me dis pas que tu as peur de citer les noms. As-tu peur? C'est à toi de jouer. Tu dois découvrir ce qu'elles sont venues faire dans cette école. Je viens directement dans votre classe. Tu peux maintenant partir. Merci, monsieur. Waouh, elle est là. Élise, ma jeune sœur. Mon dé. Hein? Mais c'était quoi ça? Laisse-moi t'aider un peu. Merci beaucoup, bon samaritain. Oh, mais toi, vraiment. Hey, Élise, tu es vraiment belle. Oh. La plus belle. Je sais. Spécialement ton arrière-plan. Es-tu hey. Malade? Ose encore. Pourquoi m'as-tu frappé? Et si tu me blessais? Es-tu fou? N'as-tu pas débuté la folie par hasard? Oui, je suis fou. Oui, je suis fou de ton arrière-plan. Hey! C'est comme si le diable veut t'utiliser aujourd'hui. Eh. Hey. Ah, tu veux me faire comprendre que c'est seulement à lui que tu pouvais donner? Pas de problème. Écoute, je ne peux pas devenir ton ami. Ce n'est pas parce que nous travaillons ensemble. Tu me prends pour un aveugle? Je vois et je sais ce que vous faites dans cette parcelle. Quelle est cette chose que tu as vue? Qu'est-ce que tu as vu? Ok. Mais le jour où je dirai tout ça à monsieur ou madame, là tu comprendras. Tu le comprendras bien. Écoute, si tu oses citer mon nom dans des bêtises, tu verras. Je te tuerai. Toi, si tu veux, va te chercher une arme, tue-moi. Je t'autorise. Mandé, va-t'en, va-t'en. Ok. Comme tu ne veux pas le partager, tu viendras toi-même me donner ma part des gâteaux. Hein, hein,
Viens prendre. C'est avec ta mère au village que tu vas coucher. Va-t'en. Hein? N'importe quoi, idiot. Oui, c'est quelle bon. Heure tu... Ok, on verra. Hey, hey, Bassi, pourquoi tu cries mon nom comme ça? Chai, Chai, Eli, Eli, je l'avais dit, Chai, je t'avais dit que c'est ton amour, hein, qui me rend fou tous les jours. Hey, s'il te plaît, baisse le ton. Ah, ne cherche pas à me mettre dans le pétrin. Oh mais non, pourquoi tu baisses ta voix? Parle à haute voix. N'aie pas peur, c'est moi qui t'ai dit. Eh, madame est sortie, nous ne sommes restés qu'à deux dans cette maison. Où est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas où elle est partie, oh, je ne sais pas. Elle est peut-être partie faire du shopping. Toutefois, on va encore blaguer, hein? On doit le faire maintenant, hein? Parce que la petite madame est à l'école. C'est bien, non? Quelle heure est-il dans ta montre là? Il fait quelle heure? Attends, Oh, nous sommes encore 11h. Regarde, 11h. Hey, il y a encore du temps. Il n'est pas question de nous deux. Donc tu veux m'impliquer, n'est-ce pas? Hey. Tu veux m'impliquer dans tes bêtises. Tu fiacres? Comment ça t'impliquer? Hé, hey, Eli, tu parles beaucoup, non? Mon truc là-bas, ça bouge. Hein? C'est comme ça. Si tu ne fais rien pour arrêter ça, ça va tourner comme ça. Aïe. Et ce truc? Hé, ça fait mal. Ce problème devient trop spirituel, oh. Tu as raison, c'est spirituel, oui. Mais écoute, tu vas faire seulement un peu. Juste un peu. Comme ça. Tu vas faire rapidement, je ne veux pas me faire. Non. Regarde, un peu seulement. Oh, Eli, laisse-moi marcher, je veux marcher. Allons-y. Tchai. Je t'avais dit que j'aurais ce que je désire. Essaie de te calmer. Bientôt, tu auras de mes nouvelles. Mais, monsieur, j'évite d'avoir de problèmes avec d'autres élèves. Ne t'inquiète pas pour ça. Essaie de te calmer. Je sais ce que je fais. Ok? Mais, monsieur, la direction a interdit les relations entre professeurs et les élèves à l'intérieur de cette école. Oui. Mais laisse-moi te poser une question pour t'éclaircir. En cas de quoi? Si on te demandait ce qui se passe entre nous, que diras-tu? Il m'apporte de l'aide dans mes cours. C'est ce que je veux dire. Rien que ça? C'est tout ce que je peux, monsieur. Bonne réponse. Je dois partir parce que là, je suis en retard. Compris? Ok? Ok, monsieur. Prends bien soin de toi. Ok. Ok. Bye bye, monsieur. Ok. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment ça va? Bien. Dieu merci, mais je m'étais évanouie sur le champ. Nous nous demandions ce qui t'a empêché de venir à l'école. Ça fait presque une semaine. Que s'est-il passé, Flora? Ce qui s'est passé? Oui. Cela, je ne peux pas vous le dire. Hein? Que veux-tu dire? Nous étions inquiètes pour toi et tu ne veux rien nous raconter. Cela veut dire que tu te rappelles de rien. Je crois que j'ai dû glisser à cause de l'eau qui était par terre. Là, tu parles comme un être humain. En tout cas, je suis vraiment ravie de te voir te rétablir aussi rapidement. Je t'avais aidé avec le test que nous avions fait. Vraiment? Oui. Tu sais que je n'aime pas laisser mes amis comme ça. Merci beaucoup, Sarafina. Merci. Ce n'est pas grave. Vous avez aussi beaucoup fait pour moi. D'accord. Sûrement que le lundi, tu viendras en classe? Oui. Aujourd'hui, c'est déjà vendredi. J'y serai le lundi. Où est Joyce? Pourquoi n'est-elle pas venue avec vous? Elle était au courant qu'on allait te rendre visite, mais elle est partie. Elle avait dit que son père a dit de rentrer à l'heure. Comme si elle n'était pas contente. Ok. Je suis heureuse que vous soyez là. Vous m'avez tellement manqué. Tu nous as aussi beaucoup manqué. Vous êtes encore là, n'est-ce pas? Ah, le chauffeur de bébé chéri est dehors. Amanda, je ne vais pas où. Je crois que nous devons partir. Et le chauffeur est déjà dehors. Rassure-toi de venir à l'école le lundi ou... Je viendrai. Prends soin de toi, ma chérie.
Oui, monsieur. Je l'ai noté. C'est pas un problème. Trop bien, alors. Ouf. Oui, comment ça évolue? Au fait, il a préféré changer de plan. Oui, le président a dit que on aura une réunion aux environs de 14 heures. Vu que je ne peux pas rentrer à la maison, je dois envoyer quelqu'un. D'accord, ça ne va pas déranger. Je t'aime, chérie. Ok, au revoir. Dieu, comment ferais-je pour payer ces 10 millions de naira? Je vais mourir. Je vais mourir. Oh mon Dieu. Ça ira. Ça ira. Calme-toi. Ça ira. Apaise-toi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Sarah, ma fille. Je vais mourir. Oh mon Dieu. Quelle chose, maman? Ma tête. Ma tête. Ça va, ma fille. Ça va aller, maman. Où est papa? Il est là-bas au coin. Eh, Jésus-Christ, va l'appeler. Dépêche-toi. Et maman, désolée. Calme-toi. Sarah, ma fille, je veux mourir. Ne t'en fais pas, maman. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Ouais, je vais te tuer. Chérie, tu veux me dire qu'avec toute cette technologie et la science moderne, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été créé pour guérir ce genre d'anémie? Hein? Ah. C'est difficile. En plus, cette anémie ne provient pas de tropiques. C'est une anémie purement africaine. C'est pour cela qu'on le néglige? La plupart du temps, j'aurais souhaité enlever ces peines. J'aurais vraiment souhaité enlever tout ce mal. Malheureusement, nous n'avons pas à faire pour elle. Je perds le souffle à chaque fois que je la vois souffrir comme ça. Souvent, je mets la faute sur nous. Toi et moi. Chérie, ce n'est pas le moment de pouvoir en discuter. Nous subissons ce choc depuis longtemps. Ce que nous devons faire maintenant est de prouver ce que nous avons en commun. Nous devons être forts pour nous-mêmes. S'aimer est l'acte le plus affectif pour soi-même. Si c'est une erreur, elle a été commise et il n'y a rien que nous puissions faire pour le contrôler. Notre fille a besoin de notre amour, notre soutien. Nous devons être ceux qui doivent l'encourager. Et nous devons bien le faire pour nos autres enfants. De pouvoir enfin être libres. Ok, je t'aime. Et tu m'aimes. C'est ce qui est important. Ok? On a toqué ici? Oui. Va voir. Hein? Bébé. Dieu merci, je suis bien arrivée. Tu ne vas pas me laisser entrer? Où penses-tu aller?
Quoi? Où penses-tu aller? Mais c'est quel genre de question ça? J'ai dit où penses-tu aller? Dans la maison de mon mec, bien sûr. La maison de ton mec? Oui, la maison de mon mec. C'est ton mec? Oui, c'est bien ça. Désolé de te décevoir, je ne le suis pas. Bébé, c'est une blague. Ça veut dire quoi ça? Pamela, combien de fois je t'ai déjà dit qu'avant de venir chez moi, tu dois me prévenir? Ne te l'ai-je pas dit? Oui, mais laisse-moi entrer. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai pas appelé. Je t'en prie. Je ne crois pas que je sois disposé. Ok, je te laisse. Mais peux-tu juste m'écouter? Écoute-moi, laisse-moi. C'était qui? Juste une voisine. Une voisine? Et elle voulait quoi? Pas de problème. Tu vois, le voisin a souvent des petits problèmes. Oui. 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 Laisse-moi t'aider. Maman, tu es en vie. Sora. Ah, Dieu merci. Maman, tu n'as pas bougé depuis que tu es ici. Dieu merci. Dieu merci. J'ai vu Dieu. Dieu? Il était couvert d'une forte lumière. Je ne pouvais pas le voir. Alors que je voulais m'enfuir, elle m'avait demandé de retourner. Vraiment? J'ai faim. J'ai très faim. D'accord, je vais chercher à manger, je reviens. Stella, le docteur a dit que tout va bien, donc tu es loin de ta tombe. As-tu un peu d'argent à la maison? Comme ça, je vais l'utiliser pour payer tes factures. Je ne veux pas qu'on te retienne ici. Oh. Ngom, Sarafina, as-tu un peu d'argent? Non. Je sais pourquoi je vous demande. Oh. Regardez, je n'ai rien. Si je vous laisse ici, vous allez rester ici. Si tu sais là où tu as caché l'argent dans la maison, dis-le moi. Comme ça, j'irai le prendre pour payer tes factures. Bien. Va chez... Va chez maman bien. Demande-lui de te donner qu'elle te donne 7000 naira. Chérie, je dois aller au bureau. C'est samedi aujourd'hui, papa. Chérie, je sais, mais c'est très urgent, c'est vraiment important. Tu m'as promis de sortir aujourd'hui. Chérie, s'il te plaît, que cela ne te dérange pas. Ton papa sera toujours là pour toi. Je t'aime beaucoup. Laisse papa partir, il rentrera bientôt. S'il te plaît. Je t'aime, ok? Joyce. Joyce, comment vas-tu? Désolé, madame. Je suis son professeur. Oh, son professeur? Oui. Oh, très contente de te voir. Très contente. Qu'est-ce qu'elle a?
Oh, non, sérieux. Sûr? Elle va bien, oui, elle va bien. Bien, je suis là-bas. C'est bon. Ok. Bonne journée, madame. Vous aussi. Merci. C'était à propos de quoi tout ça? Tu veux dire c'est une de tes élèves? Ouais, oui. Bien sûr que oui. Et elle... Attends, je t'en prie. Garçon! Donne-moi ça. Tu crois que je t'ai pas vu? Allez, va là-bas. Non, 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 mais pourquoi tu le prends comme ça? Imbécile. Comme tu es un homme, celui-là. C'est vrai qui? C'est vrai qui? C'est vrai. Es-tu malade? S'il te plaît, non? Que je suis désolé. Tiens. Mon ange, écoute ton père. Petite madame, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ils t'ont supplié. N'est-ce pas qu'ils t'ont acheté ce truc, le téléphone? Juste pardonne-leur, je t'en prie. Je ne cherche pas le téléphone. Je veux juste l'attention de mes parents, c'est tout. Je sais. Mais ne pleure pas, te fâche pas. La chose que je t'ai promise, c'est demain que je veux te la prendre. Dis-moi, c'est bien comme ça? Ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Juste pardonne-leur. S'il te plaît, arrête de pleurer. Petite madame, arrête ça. Laisse-moi, je ne suis pas en colère. Ah, si tu n'es pas fâchée, alors souris un peu. Souris, petite madame. Je veux... Allez, souris. Tu n'es pas en train de sourire. Oh. Je allez, souris déjà. Je souris déjà. Seigneur, chérie bébé, n'essaye pas d'ouvrir ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu fou? Le 250 minéraux que je t'avais donné par chèque la semaine passée, peux-tu me le remettre? Ne me fais pas perdre mon temps, s'il te plaît. Mais Monica, tu... Mais quoi? Ha! Tu viens de me décevoir. Vraiment, tu es audacieux. Ha, Colis, je te donne tout ce que tu me demandes. Je fais tout pour toi. Et ce que toi... Tu as trouvé mieux à me payer, c'est de contempler une autre femme. Je la regardais, pas du tout. Hé, ferme ta gueule. Tu la regardais et je t'avais bien vu. Tu la regardais quand elle marchait, je t'avais vu. Monica, je ne me plaignais que de l'accoutrement de la fille. Es-tu pasteur? Ne me parle plus. Mais pour qui me prends-tu maintenant? Tu dois avoir pitié de ta beauté. Tu as tout ce dont une fille peut avoir besoin. Et pourquoi dois-je regarder notre fille lorsque tu as tout ce dont j'ai besoin? Colis. Oui.
Tu essaies de me dire que je suis la seule femme que toi tu as dans ta vie? Monica, je te jure, tu es la seule femme de ma vie. Je n'ai connu point de femme à part toi. Non! Tu dois nous tuer aujourd'hui! Reviens nous tuer! Tu vas nous tuer aujourd'hui! Oh Dieu! Oh Dieu! Maman, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je sais que Dieu va nous sauver un jour. Il vient de te frapper il y a quelques jours, hein? Arrête de stresser pour rien. Tes enfants sont là pour toi, maman. Ils sont là pour toi. Je sais que Dieu est sur son trône et qu'il prépare le meilleur pour nous. On a juste besoin d'y croire. Maman, Dieu t'aime. Raison pour laquelle il t'a sauvée le jour où tu es morte. Maman, sais-tu que Dieu t'aime? Je sais. Je sais, c'est pourquoi je le suis très reconnaissante pour toi. Tu sais que c'est toi ma force. Maman, je vais essuyer les larmes de tes yeux. Amen. 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 Maman, pourquoi m'as-tu appelé Sarafina? Que cela veut dire? Mes copines m'ont demandé ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que tu les as répondu? Je ne savais pas quoi leur dire. Sarafina est un nom zoulou. Le zoulou est un tribu de l'Afrique du Sud. Tu sais, quand j'avais ton âge, c'était parmi les films sud-africains qui m'ont beaucoup inspiré. C'était un film qui parlait de l'apartheid. Et il y avait une jeune fille dans ce film. Elle avait le cœur et l'âme pour la race africaine et la race noire. Elle s'appelait Sarafina. J'appréciais beaucoup cette jeune fille. J'aimais sa bravoure. Alors, je m'étais dit ce jour-là que quand je mettrai au monde une fille, je la nommerai Sarafina. Et heureusement pour moi, j'étais eue. Vraiment? Donc Sarafina est une femme courageuse? Oui. Et toi, ma fille, tu es une jeune fille très brave. J'aime ce nom, maman. Merci de me l'avoir donné. De rien, ma fille. Viens par ici. Tes frères sont endormis? Oui. Vas-y, je te rejoins bientôt. Dieu, pourquoi? Quand est-ce que ça prendra fin? Quand est-ce que tout ça prendra fin? Mon Dieu, j'en ai vraiment assez. Dieu, pardon, je t'en prie, Seigneur. Bonjour, monsieur. Joyce, comment tu vas? Bien, merci, monsieur. Monsieur, je suis désolée pour l'autre fois. Ma mère était en colère. Pas de problème. Je comprends. Quelque chose ne marchait pas. Joyce? Oui, monsieur. Si je t'invitais chez moi à la maison, vas-tu venir? Je suis pas sûr, monsieur. Joyce, je crois que c'est pas maintenant que tu dois m'appeler ici. Ok? Appelle-moi ici quand nous sommes en classe. Ok? Ok, maître. Oh, mon Dieu. C'est vraiment terrible. Joyce, appelle-moi. Bride. D'ailleurs, c'est mieux de m'appeler amour ou bébé. Mais...
pas petite. Je me suis rendu compte que tu es la plus mignonne de cette école. Tu sais, je ne voyais même pas la fille qui était à mes côtés, vu l'impression donnée. Je ne pense qu'à toi. Tu vois maintenant, je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. Je suis très facile et je suis une bonne personne. J'ai eu peur, je ne pensais même pas que tu allais venir. Non, je ne suis pas non plus ce genre de fille. Malgré tout, te voilà arrivée. Ok, merci d'être venue. Merci, monsieur. Je t'avais vu aujourd'hui à l'école, en train de défiler devant moi, me montrant ce que tu as. C'était rien du tout. Sarafina, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Mais regarde-toi, Sarafina, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Les conditions dans lesquelles nous vivons me font toujours pleurer. Mon père n'arrête pas de faire souffrir ma mère. Je me demande que serais-je devenue si je n'avais pas reçu cette bourse. Dieu sait toujours comment prendre soin de ses enfants. Tu dois savoir une chose, que personne n'est totalement libre. Hein? Tous ces obstacles font juste partie de la vie. Si seulement tu savais ce qui se passait chez ma tante. Parfois, je n'ai même plus envie de rentrer dans cette maison. Mais je ne peux rien faire du tout. Tu dois juste endurer et faire confiance au Seigneur. Tu me comprends? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va Tonton, pas? Flora va appeler le professeur. Ok, j'arrive. Dépêche-toi. Tonton, mais où es-tu? Tonton, réveille-toi, ma chérie, réveille-toi. Collis, tu traînes. J'arrive. Ok, tu vois, non? Il arrive. Bien sûr. Hey, c'est moi, non? Hey. Oh, mon bébé. Oui, oh, désolé. J'adore mon bébé. Oh, merci, amour. Mon petit cœur. Il est trop gentil, mon homme. C'est bon comme ça, bébé, ça va, merci. Oh, Collins, mon petit cœur. Mon miel sucré. Oh, merci, bébé. Merci. Approche, goûte un peu. Vas-y. Ouais. Oh, non. Excuse-nous pour 30 minutes. Elle et moi avons des choses à se dire. Tu peux aller dans la chambre, je te rejoins plus tard. Merci. Bye. Tu es à moi. Ah. Oui. Monique, Monique. Wow. C'était quoi ça? Vais-tu essayer? Je suis au contrôle. Hey. Comme je disais tout à l'heure. Le mien, je le traite comme mon objet personnel. Merveilleux. En fait, avant de boire de l'eau, il doit me demander la permission. Exactement. Exactement. C'est comme ça que nos hommes doivent être traités. Les hommes sont sans cœur, imagine. Ils ne méritent rien provenant de nous. Tu as vu comment est-ce que je traite le mien? Ah, les femmes doivent être traitées avec respect. Ah bah. Mais il y a un problème. Problème? À quel point l'amour d'un homme peut être si profond? Jusqu'à se passer de sa fierté. Je ne sais rien à propos. Tout ce que je sais, que je suis aux commandes et ça m'enchante beaucoup. Mmh. On fait tout pour moi et je suis amoureuse. Ah? De qui?
de mon colis, non? Ce gars-là. Oh, pardon, Monique, arrête de me faire rire. Amoureuse de qui? C'est avec lui le meilleur et le pire. Hey, c'est vraiment ça. Sandra, j'ai aimé ce que tu viens de dire. C'est le mot approprié. Monique, réveille-toi un peu. Ce n'est pas avec cet homme, s'il te plaît. Ah, pardon. Ne dis pas ça. Ils doivent être traités de la sorte, ma copine. Flora? 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 Oui. Tu m'appelais? Oui, je t'ai appelé. Que fais-tu? Je lis mes livres. Tu lis tes livres? Amène-moi l'un de tes livres. Tu ne peux pas me le montrer comme ça. Ah. Pourquoi ne pas te mettre sur mes jambes et me les montrer bien? Viens. Non, monsieur. Faire quoi? Ma tante va me tuer. Flora, tu ne dois pas avoir peur. Ok? Ta tante est allée dans une réunion d'affaires. Elle ne pourra pas rentrer si tôt. Et tu ne dois pas t'en inquiéter. Sens-toi à l'aise. N'aie pas peur, s'il te plaît, ok? Non, monsieur! Non, monsieur! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non, monsieur! Flora! Ah. Ça serait bien si tu ne restais plus ici. Aussi longtemps que tu resteras dans cette maison, je vais récupérer ce qui m'appartient. Mon Dieu! J'ai voulu te montrer des bonnes choses. Et voilà, voilà ce que tu m'as fait. Et tu laisses tes livres. Ok. Oui, ok. On verra. Bonjour, Tantine. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rien du tout. Rien? Comment peux-tu dire rien? Pourtant, je te trouvais dehors. Je voulais juste faire un petit tour. Un petit tour? T'es sûre que tu vas bien, Flora? Oh! Tu es dehors pour te taper un mec, n'est-ce pas? Ah, non! La ferme! Donc, ce sont ces genres de bêtises que tu fais à mon absence? Non. La ferme et rentre! Je t'enverrai en enfer. Ose même une seule bêtise. Imbécile! Ouvre-moi ce portail! Tantine, s'il te plaît, excuse-moi. Je veux te dire une chose. C'est quoi la chose en question? Je voudrais aller dans la chambre. Ah ah. Juste pour ce qu'elle veut dire. Tu ne peux pas te déplacer. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très important. Je ne suis pas disposée. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne sais pas comment te le dire. Parle, non? Alors, je pense que tu es plus rassurée maintenant. Vas-y, parle, je t'écoute. C'est à propos... C'est à propos... À propos de quoi? Mon argent de poche est terminé. Hein? De poche? Comment ça? Mais je t'ai donné 2000 naira la semaine passée. Non, tontine. J'ai eu l'accident le vendredi passé et pendant toute la semaine, je ne suis pas allée à l'école. Tu as raison. Apporte mon sac. Le noir. Ok. Encore une chose. Quoi encore?
Mes examens commencent dans 2 semaines. Je pense que tu t'es bien préparée pour passer tes examens. Va prendre mon sac, allez. Ok. Allez, mange ta nourriture. Tout ira bien, ok? J'ai fait cette nourriture spécialement pour toi. Très bien. Tu dois manger, chérie, ok? Le médecin nous a promis de te libérer demain. Ce qui peut influencer cela est ta façon de manger. Je voudrais dire la façon dont tu manges maintenant. Parce que cela t'aidera à te rétablir, ok? Elle est forte, elle va sortir d'ici, ok? Ok. Ah oui, mon bébé. Maman, je ne veux pas manger. Oh bébé, s'il te plaît, mange. Non, je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. Mange non, bébé, s'il te plaît. Madame? Oui? Je pourrais prendre soin d'elle. Va faire les courses. Non, Gozi, aujourd'hui je ne sortirai pas. Fais juste ce que tu dois faire, ok? Ok, ma chérie. Désolée. Mange, mon bébé, s'il te plaît. Maman? Pourquoi suis-je maladive? Maman? Tu sais quoi, ma fille? Ton père et moi ne sommes pas de même génotype. Oui. On était prête à accepter notre condition. Mais on était tellement porté par l'amour. Nous avons ignoré le sort. Jusqu'au jour où tu étais née. Je suis désolée. Ton père et moi t'aimons beaucoup. Et je te jure que rien ne va t'arriver. Rien. Tu iras bien, ok? Je t'aime. Allez, viens. Deux, deux, trois, deux, quatre, cinq, six, trois. Allô, tonto. C'est moi, Sarafina. Comment vas-tu? En bonne santé. Dieu merci. On est en pause. On est juste sorti pour t'appeler. On aurait voulu te rendre visite, mais tu habites vraiment loin. Oui, elles sont là avec moi. Amanda, Flore et Omoni. Ok, parle à Amanda. Allô? Tonto, comment vas-tu? Oh, Tonto, tu nous manques vraiment. Oh, quand est-ce que tu vas retourner à l'école? Ok, nous sommes impatientes. Ok, je te passe au Monnier. Allô, Toto. Comment tu vas? Ouais, tu nous manques beaucoup. Ok, alors. Je te passe Flora. Au revoir. Allô? Tonto? Comment vas-tu? Flora! Je suis très heureuse de vous entendre.
Ça va bien maintenant, je reprends l'école demain. Ok, ok, ok. Je suis très ravie de vous entendre, mes copines. Salut la classe de ma part. Ok, bye. Bye bye. Oui, ça fait combien? 100 naira. 100? Ok, prends ça. Ça fait 2 minutes. Oh, assise? Oh, chérie, papa. Sois le bienvenu. Merci. Très bien. Bienvenue, papa. Comment vas-tu? Je veux bien et je me sens mieux. Bien. Tu es rentré très tôt aujourd'hui. Bien sûr. Tu sais, je ne pouvais pas bien travailler vu son état de santé. Ouais, je sais. Papa, mes copines de classe m'ont appelé aujourd'hui. Vraiment? Oui. C'est bon. Oh. Elles ont même prié et jeûné pour moi. Waouh. Oh. Vraiment? Oui. C'est tellement merveilleux. Oui. Des bonnes amies. Vraiment des bonnes amies. Dieu va les bénir. Amen. Tu as mangé, n'est-ce pas? Oui, bien okay. sûr. J'ai aimé ta confession. Bien. Viens. Est-il vrai que tu sors avec Monsieur Bride? Qui t'a raconté ça? Ce sont des rumeurs que j'entends, mais est-ce vrai? Mais comment peux-tu croire en ce genre de rumeurs? Tu sais très bien que je déteste cet homme. Toutefois, moi également, je n'avais pas cru. Mais tu sais, c'est pas en vain qu'un chien aboie la nuit. Amaka, ça fait combien de temps que nous sommes amis? Veux-tu détruire notre relation à cause de ce sujet? Écoute, je ne veux pas que nous devenions ennemis pour rien. C'est compris. Mais tu connais ces adages. Qui se ressemble, s'assemble aussi. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne pouvais quand même pas garder silence. T'ai-je fait mal par cette question? Non, tu ne l'as pas fait. Mais le problème avec les filles, c'est que elles aiment trop calomnier. Ça m'énerve. Juste calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Tu es ma copine, sois calme, ok? Peux-tu imaginer? Imaginer quoi? Jesse a été dispensé en français. Mais à quoi tu t'attends? N'est-ce pas que son petit ami est prof de français? C'est que ces gens font vraiment dans cette école. Ne pas du tout intéressant. Bien, cela n'est pas du tout mon affaire. J'étais en train de dire. Joyce, tu dois t'excuser auprès d'elle. Est-ce que tu apprécies le fait qu'elle pleure? Laisse-moi tranquille. N'est-ce pas elle qui a commencé? Laisse-moi. Elle était juste en train de blaguer. Sans mauvaise intention. Arrête. Je suis désolée. Pardonne-moi, je ne le ferai plus. Laisse-moi tranquille. Arrête. Juste laisse-moi tranquille, pardonne-moi. Je suis désolée, non? Je n'avais pas cette intention. S'il te plaît. Tonton, c'est fini. Elle s'est excusée. Tu dois lui pardonner. C'est fini. Tonto, essaie juste de lui pardonner. Elle t'a mal compris, c'est pourquoi. Arrête de pleurer. Je suis désolée. Elle n'a même pas tenu compte de ma condition. Je suis désolée, ce n'était pas dans mes intentions. Désolée. Pourquoi? Désolée. C'est seulement parce que je suis maladie. Ne dis pas ça, je suis Allez, désolée. Arrête de te lamenter. Tonton, le plus tu te lamentes, le plus tu te fais du mal. Arrête de pleurer.
Oh, tantôt, s'il te plaît, arrête de pleurer, arrête s'il te plaît, je t'en prie. Regarde ça. Hein? Ces fruits vont bientôt pourrir, tout simplement parce que je ne les vends plus. Hein? Regarde-moi ça. Ça, c'est vrai, maman. Je ne peux pas transporter tous ces fruits. C'est beaucoup. Je sais. Hein, ma fille? Peut-être nous devons juste aller le vendre toutes les deux. Pour que les gens puissent au moins acheter. Maman, arrête de te mettre la pression. Je sais, ma fille. Hein? Mais que veux-tu que je fasse? Hein, ton père a interdit Junior de vendre avec toi. Alors, je trouve que je n'ai pas d'autre choix. Sinon, tout ça va pourrir. Maman, pourquoi ne pas attendre que tu te rétablisses? Ok, tu peux partir seule, mais fais vite parce que le climat va changer. Fais vite avant qu'il ne commence à pleuvoir, hein? Porte-le sur ta tête. Dépêche-toi, ma fille. Oh non, ça tu peux le garder ici, hein? Pour que tu ne puisses pas te blesser. Prends ça. Arrange un peu celle-là. Tu reviendras le prendre, oh? Mets sur ta tête. Désolée, maman. Fais très attention en cours de route, ok? Il faut bien regarder la route. Regarde de gauche à droite avant de traverser. D'accord. Prends soin de toi, oh? D'accord, maman. T'inquiète, Dieu sera avec toi. Oh, arrête, les enfants sont là. Calme-toi. Arrête de faire ça. Les enfants sont là. Arrête ça. Les enfants sont là. Non, je refuse. Arrête de faire ça. Les enfants vont se réveiller. Arrête. Non, arrête de faire. Non, s'il te plaît. Non, je te prie. Non. J'en prie, arrête. Papa, pourquoi frappes-tu maman? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Allez, dors. Dors, je ne vais plus la taper. Dors, qu'est-ce que tu regardes? Dors bien haut. Néo. Père, nous prions que tu puisses visiter ces familles au nom de Jésus. Amen. Père, je prie contre tous ceux qui se lèvent contre ces familles. Tout ce qui combat notre progrès. Au nom de Jésus, je le rejette au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour la bonne santé. Seigneur, je demande que tu bénisses même mon mari en ce moment, partout où il est, Seigneur. Change-le au nom de Jésus. Amen. Stella. Récitons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, et que seul le Saint-Esprit soit notre partage maintenant et pour les siècles. Tu n'as pas quelque chose à manger ici? Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Levez-vous, partez. J'ai faim, Stella. N'est-ce pas ton deuxième nom? La faim. J'accepte, Stella, mais j'ai vraiment, vraiment faim. Tu sais quoi, Patou? Il n'y a même pas un tout petit peu de nourriture dans cette maison. N'as-tu même pas honte de toi-même? Hein? N'as-tu vraiment pas honte? Pardon, je te supplie au nom de Dieu. Je ne veux pas perdre la bénédiction que je viens d'arracher de Dieu. Juste prends tes problèmes et va-t'en loin de moi, oh. Parce que si je te maudis, ça t'atteindra, oh. Stella, je te dis que j'ai faim et tu racontes de n'importe quoi. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je veux que tu me donnes 2000 naira. Ah bien, 2000. 2000. Et si je te donnais 2 millions? Je serais content. Oh, mais fructueux. Merci. Il n'y a certainement plus rien à vendre dans cette maison. N'est-ce pas que tu as tout vendu? Tu as tout vendu? Tu as vendu tous mes pagnes, mes habits et tous les ustensiles de la maison. Tu as tout vendu.
Hein? Qu'est-ce que tu vas vendre maintenant? Ou bien veux-tu vendre ce lit? Pourquoi ne pas prendre tous tes enfants alors? Les mettre dans le bassin, amener au marché? Comme ça tu vas les vendre. Hein? Fiche-moi la paix, je t'en supplie. Stella, s'il te plaît, je vais te les remettre. Hein? Je vais te les remettre, s'il te plaît. Hmm? C'est moi, ton mari, qui te demande. Hein? Stella. D'accord, je te laisse. Oh, et Bobin. Oh. Flora. Flora, es-tu prête? Oui, monsieur. C'est la seule jolie robe que tu as? Oui, monsieur. Ok. Quand est-ce qu'il va exaucer mes prières? Quand? Quand je serai morte? Maman Serafina, je sais que ta fille Serafina avait une bourse d'études. C'est vrai, oh, ma soeur. Alors? Pas jusqu'au jour où on a découvert que le sénateur qui lui a donné cette bourse d'études était mort par un accident de voiture. Ah! Je te dis vrai. Qui sait si les membres de sa famille vont accepter de continuer avec cette histoire de bourse? Je ne sais même pas quoi faire, je risque de craquer. Ne parle pas comme ça, maman Serafina. Hein? Tu ne peux pas déclarer la défaite de ton côté. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir, ma soeur. Hein? Je suis ici juste pour demander ton couteau. Eh, ma soeur. Prête-le-moi. Le couteau était juste là. Je ne sais même pas là où il y a un client qui m'attend, ma soeur. Eh. Sois forte. Voilà. Hein? Calme-toi. Ne t'inquiète pas. On est ensemble, ma soeur. Sois calme. Oh. Hein? Maman, on a faim. On a faim, maman. Hey. Le pasteur a dit que nous devons jeûner et prier pour que cette famille soit délivrée de la malnutrition et la pauvreté. Pendant combien de temps? Pendant une semaine, de 6h à 6h. Et mais à cause de ma condition, hein, nous ferons de 6 à 3 heures. Oh, chérie, c'est pour le bien de la famille. Hein? Nous devons prier afin que Dieu nous aide. Oh? Maman, et alors papa? Va-t-il se joindre à nous? Sarah, pour prier pour la famille, nous ne sommes pas censés attendre votre père. Qu'il nous rejoigne ou non, nous allons prier. Qu'il le veuille ou non, nous allons prier. Hein? Vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Oui, maman. Alors, nous allons jeûner. Allez lire la Bible. Priez. Hein? Priez à Dieu afin que... Jusqu'à quand mes enfants vont-ils jeûner? Hein? Dois-je continuer à mentir au nom de jeûne et prière? Il n'y a juste pas d'argent. Stella. Stella, tu veux me tuer de faim dans cette maison, Stella? Toi, Stella, toi, Stella. Que Dieu te délivre. C'est toi que Dieu va délivrer avant moi.
Dieu va d'abord te délivrer bien, bien avant qu'il me délivre. Stella, toi, toi. Stella, ah, laisse-moi passer. Dégage sur mon chemin avant que je te tape comme Michael Obi tape les ballons. Laisse-moi passer vite avant que je ne compte jusqu'à 3. 1. Stella. 2. Stella, tu veux me tenter. 3. Stella, je t'avertis, dégage sur mon chemin. Hé, gai, la bim soit ta mi-chopo. C'est bon, tu vas dormir dehors. Parti Lomio. Parti Lomio. D'accord. Ce n'est pas grave. We are like one big family. Living together in a harmony. We are like one big family. Je voyage pour Abuja tout de suite. Et je reviendrai dans 2 jours. Collins, tu dois faire très attention. Si tu oses t'aventurer à mon absence, Collins, à mon retour, tu sauras de quoi est-ce que je suis capable. Je crois que tu m'as bien compris. Tu me connais parfaitement. Alors, fais très attention. Chérie, tu sais ce que je peux et ce que je ne peux pas. Ah, mais tu es censé le connaître, hein, n'est-ce pas? Comment, tu ne me crois plus? Ok, bye. Ok, je t'aime. Je t'aime aussi, bye. Très bien, au revoir. Flora. Flora. Tonton. Ouvre-la vite. Ouvre-la vite. Mais tonton, il fait tard. Ferme ta bouche et ouvre la porte, vite. Il fait tard, tonton. Si tu entres là-bas de force, je vais te tuer. Vas-y, ouvre la porte vite. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais tonton, il fait tard. Ouvre-la vite. Dépêche-toi vite. Non, 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 tonton. Non, 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 tonton. Bon après-midi, maman. Comment vas-tu? Bien. Tu es rentrée? Oui. Maman, les résultats généraux sont sortis. Ben, va regarder alors. Mes copines ont déjà vérifié. Elles ont dit que j'ai eu 10 A et 3 C. Félicitations, ma fille. Très bien. Tchaï. Et quand est-ce que tu vas retourner? Dans 2 semaines, mais je ne vais pas les rejoindre. Ah, pourquoi? Maman, as-tu oublié que la bourse que le sénateur m'avait offerte avait pris fin l'année dernière? Et sa famille ne l'a pas prolongée après sa mort. Oh. Hey, oh. Hey. Je suis foutue. Je suis foutue. Il n'y a plus d'espoir. Hein? Ça veut dire que tu ne vas plus étudier? Oh mon Dieu, c'est quel genre de vie ça, hein? Oh. Oh. Oh Dieu! Hey! Hey! À qui est-ce que je vais parler, mon Dieu? Pourquoi, mon Dieu? Dieu! Aide-moi! Papa, je vais poser une question. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi vous nous avez donné naissance? Je n'ai donné naissance à personne. Alors qui est notre père? Moi. Pourquoi est-ce que tu nous détestes? Je ne vous déteste pas. Alors pourquoi ne prends-tu pas soin de nous? Sarafina. Sarafina. Je sais que c'est ta voix, rien de maman qui t'a envoyé venir me poser ces stupides questions. Rentre et lui dire que tu ne m'as pas vu, Sarafina.
Laisse-moi tranquille. Comment est-ce qu'un homme peut être si insensible? Papa, tu ne peux pas penser aux besoins de cette famille. Je ne pourrai plus aller à l'école. Maman est enceinte et malade. Mais tu es insouciant. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce juste? Sarafina. Est-ce juste? Sarafina. Dégage. Sarafina, dégage avant que je ne commette un meurtre. Tu ferais mieux de commettre un meurtre. Sarafina, je dis quitte ici maintenant. Je suis aussi enceinte. Zoba. Bébé, te voilà. Je vais bien. Où étais-tu la nuit passée? Je n'étais que partie chez maman. Elle m'avait demandé d'aller chez elle. Mon amour. Chérie. Je pense que tu ne m'abandonneras pas toute seule. Comment puis-je faire une telle chose? Es-tu sûr? Tu m'as manqué. Ouais. Chérie. Sérieux? Oh, juste le peu de temps que j'ai à faire à l'extérieur, tu m'as déjà manqué. Tu m'as manqué aussi. Ceci est incompréhensible. Depuis quand l'argent a commencé à disparaître dans cette maison? Maintenant, je te demande, tu dois répondre. Où est les 3000 Naira disparus? Dans ma chambre. Non, monsieur. Je jure, je n'ai pas vu l'argent. Alors qui l'a prise? Je jure, madame. Tu es la seule qui entre dans notre chambre? Oui, madame. Alors? Joyce? Oui, papa. As-tu vu cet argent? Non, papa, pas du tout. Tu m'avais pourtant donné mon argent. Bébé, épargne Joyce de tout ça. Si ce n'est pas Elisabeth, alors c'est personne d'autre. Ceci doit être la dernière fois. La dernière fois que j'apprenne que l'argent a disparu dans cette maison. Organisez-vous bien. Me suis-je fait compris? Oui, monsieur. Me suis-je fait compris? Oui, monsieur. Partez. Merci, madame. Merci, monsieur. Va-t'en. Elle veut faire semblant. Regarde-moi ça. Ah! Je suis désolée, non? Mais c'est toi qui as volé l'argent. Je n'ai pas volé l'argent. J'ai juste pris l'argent. Ça revient au même. Donne ma part. Ta part. Donc tu veux que j'aille dire à madame? Ok, combien veux-tu que je te dise? Jab, 1000 naira. 1000 naira. Pas de problème, je te donne après le dîner. Lorsque tu voles, il faut prendre de petits montants. Je sais, non? Très bien. T'es maligne. Cette pétasse, elle a sûrement mordu mon doigt. J'espère qu'elle n'a pas la rage. Tout ça, je dirais que je m'étais blessé. Par quoi? Si elle revenait, elle va m'épouser. La question de savoir pourquoi. Je crois que je lui dirais que c'était les couteaux. Les couteaux. C'est ça ma raison. Juste à cause de cette petite sale fille, j'ai voulu détruire ma vie.
Tu m'as beaucoup manqué, bébé. Tu m'as aussi manqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton doigt? Le couteau. Le couteau, comment ça? J'ai épluché la peau de la mangue et je n'ai pas fait attention. Pourquoi? Où était Flora? Elle était sortie depuis le matin et elle n'est revenue que le soir. Et alors, elle était fatiguée. J'ai voulu le faire moi-même. Et, en fait, je ne voulais pas la déranger. Ça, c'est Flora. Ainsi que j'ai préféré le faire moi-même. Donc, juste pour ne pas la déranger. Flora n'a pas préparé. Non, elle n'a pas préparé. Ha. Franchement. Et, non, s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu puisses la blâmer. Non, c'est pas grave. Flora refuse de préparer pas. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'était pas là, je devais l'attendre. Ok, pas de problème. Flora. Moi, je te scolarise. Je te nourris. Tu refuses de pour réparer. C'est bon. Mon mari, laisse-moi. S'il te plaît, ma chérie, arrête. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je vais la tuer. Elle a compris. Ça suffit. Ça suffit, elle a déjà compris. Elle ne le fera plus. S'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête, arrête. Laisse-moi. Oh non, arrête. Elle a déjà compris. Pourquoi? Elle a compris. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Arrête, pardon. Non, s'il te plaît, ne me frappe pas. Je t'en supplie, non. Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de voler? Allez. S'il te plaît. Non, pardon. Non, désolée, je vais manger. Allez. Emmenez-moi de l'eau, emmenez-moi de l'eau. Elle va le finir. Apportez de l'eau, apportez de l'eau. Hey, dépêchez-vous, de l'eau, de l'eau. Vite. Allez. Allez, 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 allez. Mange-le. Allez. Allez, allez. Emmenez-moi du pétrole. Je vais la brûler aujourd'hui. Ah non, pas comme ça. Je vais la brûler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais la brûler. Hey, elle vient voler dans mon champ. Hein? Oh. Non, c'est une petite. Pardon. Pardon. Ah, ne la tape pas, Je vais te frapper, Hein? Toi, voleuse, hein? Donnez-moi de l'eau. Pardon, je ne vais plus voler, je ne vais plus voler. Pardon. Mange. Mange. Vas-y, mange. Tu vas sortir de ton derrière aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas tout bouffer. Tu vas finir. Allez, tu t'attends en haut. Mange. Je te jure que tu vas finir ce pain aujourd'hui. Regarde ses yeux. Regarde ses gros yeux comme la tortue. Elle verse des larmes de crocodile. Tu n'as pas bien pleuré. Tu vas pleurer aujourd'hui, oh. Tu vas manger. Bouffe, bouffe. Allez, mange. Allez. Voilà, mange. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est venue sur ma table pour voler le pain que je vendais. C'est quelle bêtise, ça? C'est pourquoi tu l'attends comme ça? Pourquoi ne pas la frapper? N'est-ce pas vous qui nous dites de frapper le voleur? C'est combien le pain? Je les vends à 200 naira, mais puisqu'elle a volé, vous allez donner 250. Prends 200 naira. Non, donne-moi seulement 200. Donne-moi le retour. Dans 200, pour l'amour de Dieu. C'est à cause de ça qu'il tape une petite fille comme ça. Mais pourquoi ne pas la frapper? Elle mérite d'être frappée. Je t'ai giflé. Je ne t'ai pas payé ton argent. Idiote. Ma fille, comment tu t'appelles? Sarafina. Où habites-tu? Dis-moi, non, où est-ce que vous habitez? Parle, non, tu habites où? Dans la rue. Ah oui, ces enfants de la rue sont des grands voleurs. Allez, écoute-moi très bien. Regarde, tu vois cette boutique? Si tu vois cette boutique, c'est déjà payé, n'est-ce pas? N'ose même pas le regarder, passe. Si tu oses revenir, allons. Tu verras comment je vais t'allumer, voleuse. Officier, merci beaucoup. Je vous assure que ça n'arrivera plus jamais. Je me rassurerai que ceci n'arrive plus jamais. Prenez soin d'elle. Hein? Ah oui. Okay. Dieu vous bénisse. Bien, merci. Oh. Maman, je suis désolée. J'avais faim. Mon bébé. Lève-toi. Ça va. Ça ira. Allez, viens. Pourquoi t'es seule? Pourtant, c'est la récréation. Viens, tu vas prendre de l'air. Allez-y, je préfère rester ici. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui te dérange? Je ne me sens pas très bien. Parce que Séraphine n'est pas avec nous. Ce n'est pas à cause de toi. Je sais qu'elle passe des moments très difficiles, ma copine. Alors, on ne peut rien pour elle. Viens, allons dehors. Non. Allez-y, ne vous en faites surtout pas pour moi. Allez-y. Sûr. Oui.
Je doute que Dieu soit vivant. Dieu est vivant, ma meilleure amie. Et il vivra éternellement. Et pourquoi nous a-t-il abandonnés? Dieu ne vous a pas abandonnés. Il fait tout avec raison. Garde espoir, parce qu'un jour il agira. Tu dis que Flora n'est pas venue à l'école depuis votre retour. Oui. Après ici, je passerai la voir. J'aurais souhaité venir avec toi. Allons-y. Je ne peux pas. Ma maman ne se sent pas bien. Oui. Je passerai te voir demain. D'accord. Je dois aller chez Flora, après le cours. Merci d'être venue. Ok. Je t'accompagne. Maintenant, on peut manger. Ok. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te remercions pour l'approvisionnement. Et qu'en mangeant, que nous puissions avoir la bonne santé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ça suffit comme ça? Oui, ça va. Ok. Thé, c'est quoi le problème? Je n'ai pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Thé, parle-nous. Tu veux que j'aille lui parler? Oui, c'est bon. Je vais en finir. Si cela te rendra heureuse, je le ferai. Ok? Ok, papa. Mais la prochaine fois, n'abandonne plus jamais ta nourriture. Okay. Peu importe ce qu'il t'arrive, fais tout et en discute avec papa. Ok? Ok. Très bien. Un sourire à papa. C'est bon, hein? D'accord ma chérie. Allons-y maintenant pour que tu puisses prendre ta nourriture. Tu veux dire que la tante de Flora a refusé de te faire entrer? Je lui ai même dit que c'est le directeur qui m'avait envoyé. Il était catégorique. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Nous devons aller encore. Oui, oui. Séraphine a raison. Entre-temps, je ne sais pas comment te remercier, tonto. Je ne sais pas par où commencer. N'en tiens pas compte. Alors pourquoi est-ce qu'on serait amis? Tonto, tu es vraiment une fille gentille. Hey. Une très bonne amie. Seul Dieu peut te récompenser. Prions pour que Dieu bénisse nos parents aussi. Amen. 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 Ma copine. Mon cher, donne-moi le feu. Ok, prends. Puis-je passer? Tu dis quoi? J'ai besoin de passer. Non, jamais. Personne ne peut passer sur cette route à cette heure. Okay. Hein? C'était qui comme ça? Je ne l'ai pas pu identifier. Ça peut être un fou.
un fou. Un fou? Tu es sûr? Bien sûr que oui. Hein? Bros, on doit voir si c'est qui, hein? Messieurs, bonsoir messieurs. Mon cher, viens, 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 il y a une fille ici. Quoi? Mon cher, viens, il y a une viande ici. Viens mon cher, viens voir. Oh, dépêche-toi, non. Calme-toi, calme-toi. Mon cher, viens vite. Non, s'il vous plaît. Calme-toi, ma chère, tais-toi, tais-toi. Hey. Ma copine, dès que tu seras là-bas, n'oublie pas de m'appeler, ok? Ok, c'est bon. Ben, comme je disais, je pense que tu dois lancer un communiqué sur des chaînes télévisées, au commissariat de la police et autres. Pour pourquoi? Le cas de Flora. Flora? N'étais-tu pas ma copine? Flora va bien. Elle peut prendre soin d'elle. C'est une grande fille. Elle pourra être en danger. Flora en danger, cette fille. J'ai déjà vu Flora avec un homme. Je suis sûre qu'elle est chez l'un de ses petits amis. Arrête, Monique. Un homme? D'où est-ce que tu sors cela? Ouais, je sais de quoi je parle. Prends soin de toi. Surtout, appelle-moi quand tu seras à Dubaï. J'aurai besoin de vêtements et quelques designs pour ma voiture, comme ça, okay. Rends-moi service. Ok, je t'enverrai des photos. D'accord, au revoir. Prends soin de toi. Allez, bon voyage. D'accord, bye. Bye. Sarafina. Ha! Sarafina, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'essaie de préparer. Hey. Oh. Et pourquoi vous êtes toutes là ce matin? J'espère que tout va bien. Tout va bien, on est juste venu te voir. Oui. Allons-y à l'intérieur alors. Non, on préfère rester ici. Vous préférez rester ici? Oui, oui. Joyce, oui? Tu as quitté l'école un peu tôt hier. Pourquoi? Où es-tu allée? Oh oui, tu as raison. J'étais à la librairie. Hey! Menteuse! Tu es partie le matin et tu as même oublié ton sac en classe. Joyce, Joyce, nous n'arrivons plus à te comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas ici pour me juger. Qu'est-ce qui vous prend? Calme-toi. C'est pas pour ça qu'on est ici. On est juste ici pour t'informer que je vais fêter mes 16 ans d'anniversaire et tu fais partie de mes invités. Hey, je suis contente pour toi. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Et la fête sera où? Chez moi à la maison. La fille à papa. Tu viendras, non? Je vais essayer. Alors, donne-nous à manger. On est venu chez toi, non? Je n'ai rien à part de l'eau à boire. Oh, ça ne va pas. Merci, Oya. Bon, d'accord. Et prépare aussi, hein? Sarafina, pardon, excuse-moi. Qui a-t-il? J'aimerais te poser une question. Je t'écoute. As-tu demandé à ton amie Joyce pourquoi elle dort en classe? Non, y a-t-il un problème? C'est juste que j'ai appris qu'elle a attrapé une infection. Et qui t'a raconté ces bêtises? Donc tu veux dire que tu n'as pas appris? C'est une chanson qui se chante déjà à l'école. Raze, pourquoi ne pas utiliser ton temps à faire quelque chose de plus utile que de raconter des commérages? Je savais que tu allais prendre sa part, je savais! Les oiseaux de même plumage, vous devez faire attention de votre comportement dans cette école. Fais attention à ce que tu dis, Raze. Fais très attention. La vérité blesse, mais je dois quand même le dire à l'oreille qui va l'entendre ou... N'importe quoi. Tu feras mieux de la demander, demande-la.
C'est qui ça? C'est moi, l'un de tes frères. Qu'est-ce que c'est? Tu as oublié ces jours? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah, ne me dis pas que tu as oublié. Hein? Aujourd'hui, non? Mon dé, donne-toi du kilo, sors d'ici avant que je puisse te cogner sur la tête. Allez, dégage! Oh, mais pourquoi es-tu comme ça, hein? Mais c'est un accord entre nous deux. Un accord avec toi. Ah, Ellie. Ah, s'il te plaît, regarde ici. Le monsieur est déjà prêt. Je dis sors d'ici avant que je puisse te cogner. Hein? C'est de cette façon que tu parles, hein? Retiens ce que tu dis. Attends quand le patron sera de retour. Je lui dirai. C'est qui ton patron? Hein? Tu crois que j'ai peur? Écoute, ça me fait même pas trembler. Allez, dégage. N'importe quoi. Ok, on verra. Attends ton patron puisse revenir. Joyce? Maman? Ah, qu'est-ce que tu faisais là? J'ai demandé à tonton Basile de m'aider avec quelque chose. C'est bon, je viens vite faire quelque chose pour moi. Serafina, comment vas-tu? Bien, et comment vas-tu? Je vais bien. Serafina, ce sont les vêtements que ma mère m'a offert. Je ne l'ai pas encore porté. Et je vais te l'offrir. Comme ça, tu peux le mettre le jour de mon anniversaire. Je veux que tu sois chic. Je sais que tu vas l'aimer. Tonto. Oui. Tonto. Je crois que tu vas l'aimer. Ah, Tonto, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Tu es ma meilleure amie, t'en fais pas. Merci énormément. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse. Remercie ton père. Remercie aussi ta mère. Merci, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Tonto. C'est bon, non? Je te laisse alors. Je dois rejoindre ma maman. Elle m'attend quelque part. On se voit plus tard. Ok. Remercie beaucoup tes parents. Je ne manquerai pas. Où est passé ce garçon? Collins! Mais le portail est ouvert. C'est pas normal. Collins! Oh! Collins! Collins! Oh! Oh non! Oh non! Mon Dieu, je suis finie, non. Oh, mon Dieu, non. Pas ça, Seigneur. Sandra, je suis finie. Monique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Je suis finie. Calme-toi. Sandra. Sandra, je suis nulle. Jésus. Je ne peux pas imaginer cet idiot. Je lui ai tout donné, regarde. Regarde comment est-ce qu'il me remercie, Sandra. Voilà ce qu'il me paye en retour. Je lui ai tout donné, ma valeur. 2,5 millions naira pour ses affaires, Sandra, tu peux imaginer. Et il m'a pris pour un torchon. Peux-tu imaginer cela, ma copine? Non, 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 ce n'est pas le cas. Apaise-toi, s'il te plaît. Je cherchais l'amour. Je sais. Tu trouveras besoin d'un homme. Apaise-toi. Je lui ai donné ma voiture. C'est bon, tout ira bien. Et tu n'es pas censée te mettre ici? Entrons à la maison. Allons-y. À la maison? Allons à l'intérieur. Pourquoi te mettre à la ici? Maison. C'est pas bien. Entrons. Je suis Mougou, je suis Mougou. Oh non, arrête, ça, tu n'es pas un Mougou. Stop. Il n'y a pas de maga ici. Regarde ce que je suis, Sandra, regarde-moi. Monique, calme-toi. Tu peux pas te mettre ici, allons-y. Je préfère mourir. Monique, attends. Quoi? Tu veux dire qu'Olis a eu à te violer dans ma maison? Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Non.
parce que tu m'avais averti de ne jamais détruire ton mariage. Oh mon Dieu! Tu tenais tellement à l'épouser. Jusqu'à gaspiller la vie de ta fille, maman. Je suis désolée. Oh, tu as même oublié toutes les promesses que tu m'avais faites quand j'avais 10 ans. Tu as même fait de moi une domestique. À cause d'un homme qui voulait juste profiter de toi. Amen. Je suis désolée. Je suis désolée, Flora. J'étais folle. Maman, je savais que Collins n'était pas un bon homme. Je suis désolée. Pardonne-moi, ma fille. Tu m'avais même pas accordé la chance de te le dire. Juste donne-moi une seconde chance. Je prendrai soin de toi, je promets. Je suis désolée. Pardon. Ok, maman, je te pardonne. Je te pardonne. Désolée. Allô? Oui. Madame? À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Il y a un accident qui vient de se produire. Quoi? Accident? Où? Où? Quand? Vous aurez toutes les précisions sur place. Ok. J'arrive tout de suite. J'arrive, prends soin de toi, ma fille. Ok. Est-ce lui? Oui. C'est un bâtard. Non, madame, arrêtez. Non, ne faites pas ceci. Arrêtez, madame. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Calmez-vous. Madame, calmez-vous. Calmez-vous. C'est bon. C'est bon, madame. Mort. Oh, oh. Ceci a commencé. Elle a commencé juste ce matin et puis elle n'arrête pas de pleurer. Mon Dieu. Ça va te faire ça, s'il te plaît. Ok, calmez-vous. Vas-tu te calmer? Ça ira. Chérie, on n'a pas de temps à perdre. On doit l'amener à l'hôpital. Tu vas rester avec elle, ok? À l'hôpital. Et moi, j'irai directement dans ton bureau, leur dire que tu ne viendras pas, ok? Ok. Ok. Okay. C'est bon. Tu seras bien. Chérie, lève-toi. Allez, ça ira. Lève-toi. Calme-toi, ça ira. Lève-toi, mon bébé. Allez. Lève-toi. Allez, doucement. Courage. Lève-toi. Désolée, petite madame. Petite madame, désolée. Courage. Tu étais enceinte. Tu étais enceinte. Et tu as avorté. Tu as pu avorter. Sous mon toit. Tu ferais mieux de parler. Tu ferais mieux de parler. Dis à ta fille de parler. T'as compris? Bébé, s'il te plaît, raconte-nous un peu. Avec qui tu couchais? Pardon. Dis-nous, pardon. Maman? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Maman, tu ne sais pas. Je ne sais pas, crois-moi. Regarde, écoute-moi très bien. Écoute-moi, tu ferais mieux de parler. T'as compris? Avant que j'en finisse avec toi. Qui couchais-tu avec pendant tout ce temps? Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Ok? Papa. Si tu ne parles pas, que Dieu t'aide. 1. Papa. 2. Papa. C'est Monsieur Bride. Ou Basile. Basile. Le chauffeur. Oh. Je suis désolée. Thank you.
Sarah? Oui? Tu avais dit que tu avais besoin de me parler? Oui. Qu'est-ce que c'est? Maman, l'une est une question, l'autre est une demande. Ok, je t'écoute. Je vais commencer par la demande. Maman, j'aimerais que tu assistes aux funérailles de Tonto. Hey! La mort. Hein? Regardez cette pauvre fille innocente. La mort est venue juste l'arracher. Ah, je viendrai. Je serai là. C'était quoi la question que tu devais me poser? Maman, je t'ai déjà posé cette question. Mais tu m'as jamais donné de réponse précise. Maman, pourquoi est-ce que papa te déteste autant? Ma chère, c'est vraiment une longue histoire. Je suis prête à t'écouter, même si c'est long. Jay. Mets-toi. Ma fille. Oui. C'était un mariage de complaisance. I wish I would try to make it right. I know, like a candle in the wind, you lived your life, my Lord, even though it was not long. That is what true life should be. Oh yeah, oh yeah. Cadeau, c'est de s'offrir soi-même, Tonto. Durant ta vie, nous avons eu à bénéficier plus de toi. Au revoir, mon arc-en-ciel. Au revoir, mon ami. Au revoir. Pour maintenant, super. Tu as vécu toute ta vie en aidant les autres et en pensant à eux. Ton amour restera dans nos cœurs pour toujours. Adieu, Tonto. Adieu, ma soeur. Vivre n'est pas le fait de percevoir, mais plutôt d'être perçu. Et mourir n'est pas le fait d'oublier, mais d'être oublié, Tonto. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. C'est pourquoi tu seras à jamais gravé dans nos cœurs. Au revoir, ami. Au revoir. Why did you leave me all alone?
Basile. 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 Hein? Hé, hey, Elisa. Il y a quoi? Je ne vois plus mes règles. Hein? Tu les as jetées où? Es-tu fou? Je ne vois plus mes règles, tu me poses des questions. Elisa. Dis-moi. Pourquoi même tu m'as appelé? Ah, je suis enceinte de toi. Hey! Mensonge. Mensonge. Hmm. Je dis mensonge. Vas-y. Je ne connais que toi, oh. Je ne vis qu'avec toi, oh. Hey. Uh-huh. Belle histoire. C'est seulement moi que tu connais. Alors, Mandé. Tu penses que je ne sais pas? Hein? Quoi avec Mandé? Oh. Tu pensais que je ne savais pas? Hein? Oh. C'est toi qui m'as engrossé. Tu dois m'épouser, oh. Tu me menaces? Hein? Avant, tu disais que tu voulais m'épouser. Maintenant, tu m'appelles une villageoise. Okay, ouais. Non, je ne t'accepterai pas, oh. Regarde, si tu me lâches pas, je vais te taper tout seul dans ma tête. Tu verras de quel bois tu me chauffes. Basile. Oh, gars. Basile m'a engrossé, mais il veut nier ma grossesse. Hein? Il doit m'épouser, oh. Tu te trompes, tu prends soin de moi. Monsieur? Oui, monsieur. C'est toi qui m'as engrossé, tu vas m'épouser. Vas-y, dépêche-toi. Non, tu vas m'épouser, tu dois m'épouser. Bon. Basile, je n'accepte pas, tu dois m'épouser, regarde. Oui, au PJ. Hé, madame, oh, c'est oui. Ma fille. J'ai un crime dans ma maison, je vais vous venir maintenant avec non, ton non, père. Non, non, je vais te dire. Basile, à genoux. Basile, à genoux. À genoux, c'est rien, madame, aide-moi. Mets-toi à genoux aussi. Madame, oh, oh, oh. Mets-toi à genoux. Madame, non, c'est pas moi, c'est moi. Mandez, madame, oh. Merci beaucoup d'être venu. Hein? J'allais venir vous voir après la mort de votre fille. Mais cette condition, ma santé n'est pas... C'est bon. Je me sens vraiment tu mal. Tu n'as pas besoin d'être stressé. Ok? Nous te comprenons. Notre visite est réellement l'objet d'une requête faite par notre fille. Son dernier souhait. Tu sais, Tonto nous a été précieux. Même si elle est morte ainsi. Mais cela n'empêche que nous rendions grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas nous acharner du temps que nous mettons sur la terre, mais plutôt de ce qu'on a fait de ce temps quand nous vivons encore sur la terre. Tonto a vécu et morte en remplissant ses tâches. C'était son souhait que nous prenions toute la responsabilité de scolariser ta fille. Et de pouvoir nous rassurer que vous ne manquez pratiquement de rien. Hein? Oui, madame. Et ma femme et moi avions accepté cela. Moi? Oui, madame. Oh, mon Dieu. Oh, monsieur. Oh, non, pas ça. Non, laissez-moi vous donner un coup. Hey, merci. Non, pas. Merci, non, mon ne fais pas ça, s'il te plaît. Hey. Ce n'est vraiment hey, Dieu. Rien. Arrête de faire ça. C'est bon. Dieu a enfin exaucé ma prière. C'est-à-dire qu'il est vivant. Dieu est vivant. Il a toujours été vivant. Hé, Dieu. Il a toujours été vivant. Et merci, mon Dieu. Il est vivant. Et Dieu a répondu à tes prières. Ah oui, il a répondu à mes prières. Regarde, nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Nous sommes aussi les gardiens de nos prochains. Mmh, ok. C'est vrai. Voici un chèque d'un million, Naira. Hein? Ça vient du cœur. Oui. Du fond du cœur. Hé hey! Non, Jésus, arrête ça. Oh Dieu, je te remercie. Il est je te remercie. Vivant. Dieu m'a exaucé. Oh. Oh Dieu, merci. Vraiment que Dieu ça vous va, bénisse. Bon. Qu'il vous bénisse énormément. Oh Dieu. Notre fille sera contente et joyeuse pour elle. Hey. C'était son souhait. Arrête de pleurer. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Merci. C'est bon, madame, c'est fini. Serafina, ton père vient d'être cogné par un véhicule. Il est à terre et il ne parle pas. Mon père? Oui. Mon père? Oui. Maman? Juste ici au coin. Maman? Maman?
Désolée, tout ira bien. Désolée. Doucement. Tu iras bien. C'est ce que je te dis toujours, Bartholomew. Bartholomew, arrête de boire. Arrête de boire. Veux-tu te tuer et enfin me laisser seule avec tous ces enfants? Je t'en prie. Hein? Stella. Stella, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je n'ai pas pu assumer la responsabilité d'un mari et celle d'un père. Désolé. Stella, pardonne-moi pour mes sales comportements. Je t'ai causé du tort. Je promets de ne plus revenir sur ces habitudes. Sarafina, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé. Junior, Ikechukwu, venez. Pardonnez-moi, mes enfants. Ok. Je suis désolé. Ça va aller, c'est bon, papa. Sarafina, s'il te plaît. Sarah, s'il te plaît. Papa, papa, je t'ai pardonné. Merci, Sarafina. S'il te plaît, viens. Sister is like my sister. Who would be the queen, president or king? Somebody's baby. Who would be the governor, the doctor, the nurse? Somebody's baby. The queen.